Vous nous avez choisi pour vous informer, madame, messieurs, vous faites bien. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce jour dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. Commençons ce journal par cette information en bref. Sit-in ce jeudi 1er septembre devant le cabinet du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyayakatembo, organisé par le syndicat national des médecins, SINAMED en cycle. Ils ont déposé leur mémorandum. Les blouses blanches revendiquent auprès du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement l'attention particulière à leurs désiderata qui n'ont toujours pas trouvé gain de cause. Pour rappel, le SINAMED a déclenché la grève sèche depuis des semaines sur l'ensemble du territoire national. Autre chose à présent, tous les produits agricoles exportés par la République démocratique du Congo sont en hausse de prix sur le marché international cette semaine, excepté le cacao. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission nationale des mercuriales des prix du ministère du Commerce extérieur. C'est un constat fait dans la semaine qui va du 29 août au 3 septembre en cours. Suivez. Le ministère du Commerce extérieur qui a publié ce rapport. Elle révèle que les produits agricoles et menus forestiers de la RDC ont connu une hausse de prix au cours de la période sous examen. Il s'agit du café Robusta qui se négocie à 2,21$ contre 2,8$ le kilo, le café Arabica à 4,20$ contre 4,2$ par kilo, la papaïne à 17,58$ contre 17,23$ le kilo. Les écosses des quinquina se négocient à 4$ contre 2,1$ le kilo. Le sel des quinine à 60$ contre 58,80$ le kilo. Et le raolfia à 102$ contre 99,96$ le kilo. Quant au caoutchouc, lui est resté stable au prix de 0,82$ le kilo. Et seul le cacao a connu une baisse en se négociant à 1,17$ le kilo contre 1,18$ la semaine dernière. Cette hausse de prix encourage la culture de ces produits pour que la République démocratique du Congo puisse s'imposer sur le marché international afin d'en avoir une mainmise. Congo Airways connaît des turbulences de plus en plus inquiétantes. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a lors du Conseil du ministre du vendredi dernier demandé au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde de se pencher sur la question en vue des options nécessaires pouvant permettre à cette entreprise publique d'aviation de se relancer normalement dans un meilleur délai. Nous y reviendrons avec force détaillée. Autre chose à présent, quels sont les acquis de la patrouille financière instaurée par l'inspecteur chef de service de l'inspection générale de finances en République démocratique du Congo, Jules Alinguete, annonce la fin de la prédation des fonds de l'État dans des entreprises où les anciens mandataires utilisaient les cotisations pour les fonctionnements avec pour conséquence plusieurs mois d'arriéré de salaire des agents. C'était en cours, au cours d'un entretien avec Jean-Marie Kassamba de Télé 50. Je vais vous donner quelques résultats. Je vais prendre quelques entreprises de l'État. Je prends la CNCS. Au niveau de la CNCS aujourd'hui, arriéré de salaire zéro. Quand nous sommes arrivés début 2021, nous avons trouvé la trésorerie de la CNCS à près de 108 millions de dollars destinés à la paye des pensions de retraite. Nous nous sommes mis à travailler avec la CNCS en encadrement, en contrôle, a priori. Aujourd'hui,
la trésorerie, le fonds destiné à la paye de la pension de la retraite est passé à 480 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la CNCS avait l'argent, il fallait faire le choix entre le fonctionnement sur cet argent-là, le fonctionnement et la part à réserver à la pension de retraite. Il n'y avait pas d'équilibre. La CNCS était en train de tout consommer et la pension de la retraite était minorisée. D'où les pensionnaires qui ne peuvent pas payer. Nous avions imposé le respect des normes internationales en matière de gestion des pensions qui veut à ce que sur les fonds collectés par la sécurité sociale, 80% puissent être orientés au paiement des pensions et 20% au fonctionnement. Mais comme on ne pouvait pas passer à cette répartition immédiatement, nous sommes y allés progressivement. La direction générale actuelle de CNCS a adhéré et nous a facilité la tâche et nous sommes passés de 108 millions à 480 millions de fonds de pension liquides constitués dans les banques congolaises. Du cash. Vous le savez peut-être déjà, Léo, magistrat de la Cour de cassation du Conseil d'État ainsi que les magistrats de siège, membres de la Cour de comptes, récemment nommés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêté serment. C'était le mercredi 31 août 2022 dernier. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Constance Chimanga était là pour les comptes de notre rédaction. Un pas défranchi dans le processus des réformes judiciaires. Les hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif, nouvellement nommés par le garant de la Nation le 30 juillet et le 27 juin 2022, ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Premier à ouvrir le bal suivant l'ordre établi, préséance oblige, le chef de corps passé présenter leur serment au magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord le magistrat de la Cour de cassation et du Conseil d'État, puis le magistrat de siège, le conseiller de la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et le membre de la Cour des comptes. Cette cérémonie du jour traduit la ferme volonté du président de la République, soucieux de faire la justice congolaise un organe véritablement juste et indépendamment au service du peuple, au nom duquel la justice est rendue. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et a félicité chacun des assermentés. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Parmi les chefs de corps qui ont prêté serment devant le chef de l'État, figure Vondemambo Firma, nommé procureur général près la Cour de cassation, Iluta Ekonde Yamama, procureur général près le Conseil d'État, et Madame Odiounonde, premier président du Conseil d'État, qui remplace le professeur Vundoye Tepe Mako, renvoyé à la retraite. C'est une première pour cette dernière catégorie. 35 ans après, des prêtés serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce serment, les assermentés de la Cour des comptes vont renforcer le travail de la police, de police financière réalisée par l'IGF. C'est un renfort bien apprécié par l'inspecteur général de finances, Jules Alinguété. Un grand jour de voir aujourd'hui la Cour des comptes redynamiser, rejoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. Nous savons qu'avec l'arrivée de la Cour des comptes, c'est la prédation qui sera très en difficulté, c'est la bonne gouvernance qui va gagner. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on recevait des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace, très puissante qui arrive aussi, qui va prendre une bonne partie de la lutte, ça va nous alléger la tâche. Arrêtons qu'au chapitre des obligations, c'est aux magistrats devront faire preuve de réserve, de l'honnêteté et de la dignité attachée à leur. Direction la primature, où le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu
La délégation des membres du gouvernement dépêché récemment à Kouamount, nous sommes dans la province du Maïndombé, où s'était suivi les scènes de violence entre les Tek et les Yaka. Quelques pistes de solutions ont été envisagées pour décanter la situation. Commentaire Constance Chimano. La délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo, est venue faire rapport au chef du gouvernement de la situation liée à ces conflits communautaires dans cette partie de la République. À titre de rappel, la suite des événements malheureux survenus à Kouamoutou, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre a constitué une délégation des 4 ministres qui se sont rendus sur place et depuis que cette délégation est revenue, elle n'avait pas encore trouvé l'occasion matérielle de faire rapport à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de leur passage à Kouamoutou? L'opinion peut retenir, à titre de rappel, qu'à la suite des événements malheureux survenus à Kouamoutou, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de 4 ministres qui se sont rendus sur place, et depuis que cette délégation est revenue, elle n'avait pas encore trouvé l'occasion matérielle de faire le rapport à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Voilà pourquoi déjà à 9h, nous étions là. Nous avons commencé la réunion pour faire le rapport de notre mission, continuer en donnant l'essentiel de notre mission à Kouamoutou, à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Bref, il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant, un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui, en tout cas un peu plus de 30 morts à Kouamoutou, autant de maisons. Pour rappel, c'est en début août que la cité de Kouamoutou a été le théâtre de violents affrontements entre les membres de deux communautés, Teke et Yaka, en proie à un conflit de territoire. D'un côté, la communauté Teke, qui se considère comme originaire des propriétaires du village situé le long du fleuve Congo, et l'autre, la communauté Yaka, venue s'installer après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo use de son pouvoir régalien de fin à ces affrontements pour que la paix revienne à jamais. Ce journal, par ce communiqué, le directeur général ad intérim de l'Institut national des statistiques, INS en sigle, vient d'être révoqué par le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mondou-Simba. Cela ressort d'un communiqué officiel publié hier 31 août 2022, dont voici le libellé, faisant suite à la suspension pour insubordination répétée et suspicion de mégestion de M. Serge Bokouma Onsiti, directeur général ad intérim de l'INS, pour mesures conservatoires prises par l'autorité des tutelles, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan. Le prénommé Serge Bokouma s'étant illustré à la suite de sa suspension par des actes de rébellion face à cette décision, à la manipulation et à l'incitation des jeunes à la violence, à la direction de l'INS et au ministère du Plan, à l'incitation au tribalisme au sein de l'INS, le cabinet de son Excellence Christian Mwando porte à la connaissance du public que M. Serge Bokouma a été révoqué de ses fonctions du directeur général ad intérim de l'Institut national des statistiques en date du 30 août 2022. Ainsi, M. Serge Bokouma Onsiti n'engage plus l'INS. Le communiqué est signé par Célestin Muganza, qui est chargé des communications du ministre des Plans.
Et pour terminer ce journal, prenons cette information à l'international. Il a tiré la révérence, voulais-je dire, à l'âge de 91 ans. Lui, c'est le tout dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Il a été prix Nobel de la paix en 1989 pour avoir mis fin à la guerre froide et une figure emblématique dans le monde politique. Suivez. La perestroïka, c'est son chef-d'œuvre. C'est lui qui est vu comme un grand réformateur de la Russie. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est né le 2 mars 1931 et le tout dernier dirigeant de l'URSS des 1985 à 1991. Il est reconnu grand à l'extérieur de son pays pour avoir mis fin à la guerre froide et à l'intérieur du pays. Pionnier de la libération économique, culturelle et politique, connu sous la populaire appellation qui veut dire la restructuration et le glasnost qui est la transparence. Gorbatchev est celui qui a pesé pour la chute des régimes communistes en Europe, ce qui conduit à l'éclatement de l'Union soviétique. Une mauvaise vue qu'il a des Russes. En 1980, il fut le plus jeune membre de l'histoire du principal parti communiste à braver les échelons sur la scène politique de son pays. Il est l'image de la démocratisation du régime en levant la censure sur la liberté de l'expression et de la presse et aussi libérer les prisonniers politiques, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1990. En 1991, il est victime d'une tentative de putsch et fut assigné en résidence surveillée et Boris Eltsine lui confisque le pouvoir à Moscou et devient premier président de la Fédération des Russies créée par l'éclat de l'URSS qui a sonné par la démission de l'homme qui avait concentré tout le pouvoir sur lui. En 1996, il tente reconquérir le pouvoir par élection, mais il n'obtiendra qu'un pour cent des suffrages. Il a rendu l'âme à 91 ans, mardi 30 août 2022, à la clinique centrale de Moscou, des suites d'une longue maladie grave. Noé Lambeau a concocté ce journal derrière la caméra Yachi Mouadi avec le concours d'Alain Condé. Madame, messieurs, comprenez que cette édition s'est terminée. Prochain rendez-vous avec moi, c'est demain à 19h.